On peut jouer avec le flou de mise au point qui s'obtient de deux façons. Soit d'emblée, au tournage, en manipulant l'objectif, soit dans un second temps, au montage, à l'aide d'un logiciel de montage. Le flou peut ainsi être utilisé dans différentes situations, pour la plupart ludiques. Voici trois premiers exemples de flou avec lesquels vous pouvez composer. Le flou en introduction-conclusion permet de commencer ou d'achever une séquence de façon artistique. Le flou de transition au tournage sert à enchaîner deux ou plusieurs séquences en entrée ou en sortie avec l'aide d'un flou. Troisième exemple, le flou de transition au montage s'apparente au flou de tournage mais nécessite d'utiliser un logiciel. Ce logiciel doit être capable de flouter progressivement une séquence. Voici plusieurs exemples. Un autre usage consiste à mettre à profit le flou pour améliorer la lisibilité d'un titrage. Cette technique, possible au tournage si on l'a anticipé ou sinon au montage, permet de faire ressortir un titre ou un sous-titre qui sinon ne serait pas lisible. Démonstration. Autre possibilité de flou, le rack focus. Sous ce vocable un peu barbare se cache la faculté, sans bouger le cadre au téléobjectif, de déplacer la mise au point, le focus, d'un arrière-plan vers un avant-plan ou vice-versa. Ainsi, on établit une relation d'un sujet par rapport à un autre. Cette relation peut adopter deux formes. Dans un premier cas, on établit une relation assez vague entre les deux sujets, c'est un rack focus prétexte. Mais on peut aussi favoriser une relation évidente entre les deux sujets, c'est un rack focus pertinent. Quelques exemples pour mieux comprendre. Plus connu que le rack focus, le flou de masquage s'avère bien pratique. Comme son nom l'indique, le flou de masquage vise à superposer un cache flouté sur une zone précise de l'image. Ainsi, on évite qu'un visage ou la plaque d'immatriculation d'un véhicule puisse être identifié et on se protège ainsi de tout problème légal. La difficulté est de suivre le sujet à flouter lorsque celui-ci est mobile. Mais on y parvient en paramétrant le masque de telle façon qu'il suive la trajectoire du sujet. Voici le résultat obtenu avec un coureur à pied. Un peu de technique pour finir. Il existe un lien direct entre le flou et la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la zone de netteté. Plus l'ouverture du diaphragme est petite, plus grande est la profondeur de champ. Le problème est justement que la vidéo se caractérise par une trop grande profondeur de champ en toutes circonstances.
C'est un inconvénient, car ôter l'objectif une trop grande profondeur de champ a pour conséquence que les différents plans d'une image se détachent mal les uns des autres. Sur cette image, par exemple, la tête du chat en avant-plan se détache mal des feuillages et du muret en arrière-plan. Ce problème n'existe pas en photo avec un APN ou avec la pellicule cinéma pour lesquelles il est facile de faire en sorte que l'avant-plan se détache bien de l'arrière-plan flou. Alors, pour que la vidéo bénéficie des mêmes avantages que la photo ou le cinéma, les fabricants ont décidé d'équiper leur réflexe APN d'un mode vidéo permettant ainsi de jouer pleinement avec l'ouverture du diaphragme et donc la profondeur de champ. Les fabricants ont aussi conçu des caméscopes sur lesquels on puisse adapter des objectifs photo afin de jouer également avec le rapport flou-net. En conclusion de ce module, voici quelques illustrations de ces procédés.